Monsieur le ministre, au nom du Sénat de la République, j'ai le plaisir de vous soumettre la deuxième partie du rapport Petro-Caribé remis au Sénat en mai 2019. Monsieur le Premier ministre, encore le plaisir de vous soumettre la troisième tranche, la troisième partie du rapport Petro-Caribé, donc la dernière, soumise par la Cour supérieure des comptes en août 2020. Voilà, sur ce, Monsieur le Premier ministre, c'est une occasion de le souligner. Parce que les gens disent que ce gouvernement, le gouvernement, n'est pas l'émanation du Sénat de la République. Tout le monde connaît le contexte. Ce n'est pas parce que ce gouvernement ne veut pas être l'émanation du Parlement, c'est tout simplement parce que le Parlement est dysfonctionnel. Donc, il n'y avait pas de député, il n'y avait pas de sénateur, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des relations patriotiques, des relations républicaines entre le gouvernement et le Sénat de la République ici. J'ai entendu également, j'en profite pour souligner ceci, j'ai entendu également qu'il n'y a pas de relation, si vous voulez, entre l'exécutif et le Parlement, mais je sais que mes évolutions, nos salaires du Sénat de la République sont signés par le ministre de l'Économie et des Finances. Et toutes les fois que nous avons un problème, nous adressons au gouvernement, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour les finances et autres. Bien évidemment, il y a des points sur lesquels on peut toujours discuter. Et ce que nous voulons dire, M. le Premier ministre, c'est toujours continuer, au nom de la République et pour le bien-être des citoyens et des citoyennes, de continuer à collaborer, à servir la République pour que les citoyens et les citoyennes puissent se sentir responsables vis-à-vis des hauts commis d'État, soit en gouvernement des sénateurs qui sont responsables et qui défendent leurs besoins et leurs causes. Voilà en gros ce que je voulais dire, M. le Premier ministre, avant de vous passer la parole. Merci. Au Sénat de la République, et je vais vous dire que, en tant que chef du gouvernement, je réclame la paternité du Sénat qui règne et qui fonctionne en permanence. Que mon gouvernement soit l'émanation du Parlement, mais comme vient de le dire Monsieur le Président du Sénat, en règle républicaine, mon gouvernement travaille conjointement avec le Sénat de la République. En témoigne la lettre que je vous ai adressée pour vous demander d'accepter une visite de courtoisie de mon gouvernement. Vous l'aviez accepté avec joie et nous avions eu une très bonne séance de travail. Moi qui croyais que j'allais rester ici pendant 30 minutes, on est resté 4h30 ou 5 heures de temps à discuter pays. Et franchement, c'est encore un honneur pour vous en tant que responsable au plus haut niveau de l'État, continuer à travailler pour le bonheur du peuple haïtien et encore celle de les populations les plus vulnérables. Et je vous en remercie. Je vous remercie aussi d'avoir commencé à travailler sur le code pénal qui a fait couler beaucoup d'encre. Là maintenant, j'attends encore les recommandations du Sénat et pour savoir quel chemin entreprendre avec le code pénal. Et je vais continuer à vous dire que j'ai rencontré la commission qui a travaillé sur ce code pénal-là. Je suis sur le point de signer un papier pour leur demander de continuer à rencontrer, je voudrais dire protagonistes, mais ce sont les citoyens qui ont une compréhension différente de cette noble commission qui a travaillé sur les écritures de ce document-là. Je pense que chacun, chaque citoyen a un mot à dire parce que c'est quand même le code pénal, selon ce que j'ai entendu, celui qu'on a là qui est
tant en utilisation à environ 185 années. C'est une aberration. Il nous faut un code pénal mieux adapté à la situation d'aujourd'hui, mais il nous faut aussi le code de procédure pénale qui est déjà produit. Là maintenant, je vous tiendrai au courant des différentes démarches que nous sommes en train d'entreprendre au niveau du gouvernement sur ce que nous allons faire après les 2 mois que je vais demander à la Commission de continuer à cogiter, à discuter avec tout le monde pour prendre le son de cloche de chaque personne qui aura à subir ce code pénal. Parce que quand on dit pénal, ça veut dire subir, ça veut dire aller en prison, ça veut dire jugement, ça veut dire sanction. C'est-à-dire la population haïtienne doit savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce code pénal et je vous tiendrai au courant. Là aujourd'hui, comme l'a dit l'honorable sénateur Dumont, on est en train d'écrire l'histoire. Et je ne sais pas, mais 5 ans de cela, je n'aurais jamais pensé que je serais un premier ministre et au Sénat de la République en train de... Pour tout ce chemin qu'il a parcouru, malheureusement, il y a d'autres membres qui ont beaucoup discuté de ce rapport des fonds Petro-Caribé qui ne sont pas là, mais je sais qu'ils sont là en esprit et heureusement, ils continuent à être les chiens de garde de ces documents. Là, je ne peux que vous promettre de faire mon travail avec loyauté envers la population haïtienne. Je voudrais vous dire que je voudrais m'envoyer quelques fleurs pour vous dire que je suis le premier Petro-Challenger qui existe en Haïti. Et j'ai des preuves pour ça. Là maintenant, je vais utiliser ce document à bon escient et je vais vous informer que j'avais reçu une copie aussi de la Cour supérieure des comptes. J'ai eu le temps de former, de monter une task force qui travaille dessus et j'ai écrit à tous les ministères et toutes les directions, toutes personnes individuelles qui ont utilisé ces fonds pour leur demander des explications. Probablement, je vais encore revenir au Sénat de la République avec les explications que j'aurai obtenues de ces différents ministères et les différentes firmes de construction et avec tout le tralala que cela comporte, parce que je sais que la lumière est au Sénat de la République, malgré qu'il y a des membres qui manquent, mais je sais que selon la Constitution de la République, selon les lois de la République, le Sénat siège en permanence, qu'il y reste un seul membre, le Sénat siège en permanence et je vais continuer à maintenir de très bonnes relations, des relations d'amitié, des relations politiques, mais aussi je vais traiter le Sénat avec respect, pour ne pas dire avec beaucoup de révérence. Je vous en remercie.